Bah, les Wasser qui va prendre le tir, contré par la crosse de Neza. Aiguimont qui récupère, qui joue de l'autre côté avec son défenseur. Allez, Dragon à la relance, Perret, ouais, Perret qui se fait défait de Brassard. Ouais, pourtant, ça fait un moment qu'il est sur la glace, Perret. Hein. Il doit être un peu cuit, mais il arrive à conserver la rondelle. Ouais, trouver. Oh, yo, magnifique! C'est but, ouais. Ah ouais. Le travail de Perret là. Alors, il a trouvé son défenseur et le numéro 8 des Dragons là qui ne se prive pas pour inscrire le premier but de la soirée. 1-0 pour les Dragons de Rouen. Avec 5 minutes 40 faites dans ce premier tiers-temps. Ouais, Perret, hein, ça faisait un moment qu'il était sur la glace, il va être un peu fatigué. Il a quand même fait l'effort supplémentaire. Il arrive à donner la rondelle à Yeo, Dylan Yeo, qui d'ailleurs emmène bien Vigné, Munier là, sur son côté gauche. Il s'ouvre la cage, ses buts. Ouais, c'était peut-être le mieux à faire. Hein. Allez, on retrouve les pionniers dans leur zone défensive, à l'image de Pence qui subit la pression là. Ouais, la pression par Vigneur, c'est de Lamperrier là. Allez, on met ce palais avec Cage. Le mec a récupéré ses buts, Hervé. Qui va inscrire le deuxième but là pour les Dragons. 2-0 pour Rouen. Et numéro 7, Hervé. Un beau travail hein, de Lamperrier derrière la cage. Ainsi que Vigneur, donc qui seront sûrement les deux crédités des assistances sur ce deuxième but du Dragon. Vignière et Lamperrier hein, qui sont d'ailleurs dans le top 3 hein, des scoreurs des Rouennais. Ouais, défense un peu passive hein, des locaux là. La rondelle qui traîne. Ouais, gros travail hein, de Lamperrier devant la cage de Munier là. Ouais, de Munier il n'y a plus de crosse. Pour masquer, pour dévier les palais. Portier Chamonnière hein, qui n'a plus de crosse, elle est derrière la cage, ouais, ça circule. Oh. Ouais, c'est but. Joris Bedin qui vient inscrire le troisième but pour les Dragons là, ouais, en supériorité numérique. Sur une petite erreur défensive, hein, je crois que c'est Dogemont voulant couper la passe hein, qui... Ouais, il va falloir trouver des solutions là, pour les pionniers, tenter de revenir un peu dans ce match là. Match important pour eux, hein, qui comptait un match de retard sur Nice, comme on disait précédemment là. Ouais. Envoyé de l'autre côté. Grosse transversale, elle est belle. Touché, ouais. Allez, Walker qui sera le premier sur Spalek. Cherchait Masson devant la cage. Allez, Brassard qui va fermer la bleue, prendre le lancer. C'est pas cadré de la part du défenseur Chamonnière. Allez, il reste 3 secondes. 3 ouais, secondes encore à lancer. C'est but. Eh, Walker qui a pu surprendre Gobert là. Il ouais, portier rouennais un peu désemparé là. Il se fait surprendre. À une seconde de la fin de la seconde période. Exactement. Sur un angle complètement fermé. On avait déjà vu ça dans le premier tiers-temps avec Clément Masson qui avait pris un lancer du même style où pareil, Gobert était passé un peu à côté. Effectivement, et là... C'est Palais qui finit au fond des filets ouais, pour les pionniers. Avec, ouais, c'était une seconde à faire dans ce deuxième tiers-temps. En tout cas, ça va sûrement remotiver les troupes de Singren. Première minute 30, là, c'est vraiment encore les Dragons qui ont la main sur la rondelle. Ouais, on en va. Exactement, en zone offensive et Kofik sera le premier tir. Attention, c'est rendu à Boivin. Oh, c'est bon, c'est magnifique. Ah ouais. Allez, qui vient inscrire le quatrième but pour les Dragons là, sur cette erreur défensive, les Chamonnières là. Amini qui ne peut rien faire là, le portier Chamonnière. Allez, Boivin qui trouve tout de suite son collègue complètement décalé, il glisse ouais, la rondelle. Malais, ouais. C'est but cache vide hein. Munier là il peut rien faire. Ah, le portier Chamonnière il peut rien sur cette action ouais. Exactement. Mésentente hein, entre Kofi et Dogemont il me semble. Ouais, c'est dur hein, pour les locaux.